Est-ce que c'est une bonne idée ou non de faire la promotion de tes vidéos via Google Ads en payant pour être mis en avant par YouTube? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va essayer de définir dans cette vidéo. Alors si tu me connais un peu, tu connais également mon avis à ce sujet-là. Tu sais très bien que personnellement, je ne suis pas du tout fan. Mais en fait, dernièrement, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet, que ce soit en commentaire ou par mail. Et je me suis dit que je devais traiter ça en vidéo, mais le traiter avec une personne qui a testé ça réellement. Parce que moi, c'est mon idée à ce sujet. J'ai testé vite fait, mais pas vraiment. Je voulais vraiment voir avec une personne qui l'avait testé pour de bon sur sa chaîne et j'ai trouvé une vidéo à ce sujet. Donc en fait, cette personne va nous permettre de définir si c'est une bonne idée ou non de faire la promo de sa vidéo avec Google Ads. Et donc la personne qui nous a partagé ses résultats s'appelle Christina. Et donc je te mettrai le lien de sa vidéo directement en dessous de cette vidéo. Et il faut savoir qu'elle a décidé de faire la promotion d'une seule de ses vidéos, une vidéo en particulier qui marchait assez mal et je pense qu'elle voulait qu'elle marche beaucoup mieux que ça, c'est le but, hein, sinon elle n'aurait pas fait la promotion de sa vidéo. Et donc à l'époque elle avait 200 vues et maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo elle a plus de 1600 vues. Donc sur le papier on pourrait se dire que ça a plutôt marché, voilà, 200 vues, 1600 vues par rapport à la taille de sa chaîne, ça va. Mais bref, on reviendra sur cette histoire de vues plus tard dans la vidéo parce qu'il y a des nuances à apporter. Mais tout d'abord venons-en un petit peu aux détails de sa pub. Donc elle a décidé de fixer un budget quotidien de 3 $ par jour, ce qui est raisonnable pour mettre en avant une vidéo YouTube. Ça a donné des résultats comme tu as pu le voir, comme je te l'ai dit. Par contre, là, je mets un red flag, on va dire, par rapport à l'audience qu'elle a ciblée, parce que c'est important que tu comprennes ça. Et moi, directement, ça m'a fait tilt. En fait, elle a été voir l'audience qu'elle avait sur sa chaîne YouTube et elle s'est dit, OK, je vais viser cette audience. Mais en fait, il ne faut pas faire ça. En fait, l'audience que tu as attirée sur ta chaîne n'est pas forcément l'audience que tu veux. Et c'est aussi pour ça que certaines chaînes YouTube ont du mal à se développer, parce que l'audience qu'elles ont sur leur chaîne n'est pas la bonne. Donc le public n'est pas engagé, alors que si l'audience était la bonne, le public serait beaucoup plus engagé et la chaîne tournerait beaucoup plus et irait beaucoup plus vite. Voilà. Donc en fait, là, dans sa vidéo, elle dit j'ai un public indien, donc je vais cibler ce public-là. Mais non, en fait, à part si c'est le public qu'elle voulait, mais je pense pas, si ton public n'est pas celui que tu veux, donc quand tu vas voir dans tes analytics, ne cible pas ce public, va cibler le public que tu vises. C'est très important à comprendre cette petite nuance-là. Parce qu'encore une fois, le public que tu as sur ta chaîne YouTube n'est pas forcément le bon public. Donc ne te dis pas, j'ai ce public-là, donc je vais viser ce public-là si je fais une pub Google Ads. Non, tu vises le public que toi tu veux, que toi tu as décidé. Et maintenant, revenons un petit peu sur les vues qu'a générées Christina sur sa vidéo. Comme je te l'ai dit sur le papier, 200, 1600 vues, c'est propre. On va dire que ça a fait le job. Mais en fait, Christina avait un autre objectif derrière ça, c'était de déclencher l'algorithme. Et quand je te parle de déclencher l'algorithme, en fait, c'est très simple, c'est qu'elle voulait que elle paye pour lancer sa vidéo, un petit peu comme une locomotive, et que dès que YouTube avait compris qu'il pouvait promouvoir sa vidéo à telle et telle personne, qu'il fasse le travail lui-même, que le trafic organique arrive et qu'elle n'ait plus besoin de payer. Et du coup, bah là, on peut admettre qu'une chose, c'est que ça n'a pas marché, parce que si YouTube, avait pris le relais, la vidéo à cette heure-là ne serait pas à 1600 vues, elle serait peut-être à 5000, 10 000, voire même bien plus de vues que ça. Et en fait, si ça n'a pas marché, c'est pour une raison très simple, c'est que la donnée la plus importante pour être mise en avant par YouTube a été vraiment tuée à cause de cette promotion. Et cette donnée, tu la connais certainement parce que je te bassine tout le temps avec, c'est le taux de rétention sur tes vidéos. Et en fait, elle le dit elle-même, avant de faire la promotion de sa vidéo, dans les 30 premières secondes, elle avait un taux de rétention de 54%. Alors déjà, c'est pas pour lui jeter la pierre, mais 54% dans les 30 premières secondes, c'est déjà pas ouf, hein. C'est pas quelque chose de dingue, hein, faut être très clair. Mais du coup, jour après avoir lancé sa promotion, enfin oui, lancé sa pub Google Ads, premier jour, elle s'est retrouvée à 44%, et les 3-4e jours après, ça s'est stabilisé, elle s'est retrouvée à 35%. Déjà, 35% pour une vidéo en entier, un taux de rétention de 35%, c'est vraiment, enfin, c'est pas trop mal, mais ça peut être beaucoup mieux. Donc déjà, enfin, comment dire, donc 35% dans les 30 premières secondes, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Ça correspond limite à un taux de rétention qui correspond à du putaclic en fait. Tu sais, la personne clique sur la miniature, elle voit qu'elle s'est fait tromper et elle se barre de la vidéo. Voilà, ça peut être apparenté à ça. Et donc, quand tu as 35% de taux de rétention dans tes 30 premières secondes, la vidéo ne sera jamais, jamais, jamais mise en avant par YouTube. De manière organique, je l'entends. Mais au final, si son taux de rétention a chuté jour après jour après avoir lancé la promotion de sa vidéo, c'est pas à cause de la qualité de la vidéo en elle-même qui est bonne ou pas bonne. Elle est bonne, la vidéo. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais vu qu'elle a appliqué une stratégie d'outbound marketing et pas d'inbound marketing, eh bien, ça a rebuté, je ne sais pas comment on dit, bref, ça a repoussé, on va dire, pour couper la poire en deux, beaucoup de gens. Et ça, je t'en avais parlé dans les premières vidéos de ma chaîne, je crois. L'outbound marketing, c'est quand c'est toi qui vas chercher les clients.
L'inbound marketing, c'est quand ce sont les clients qui viennent vers toi. Et en fait, pour YouTube, tu peux changer le terme client par spectateur. Et donc, quand tu crées du contenu et que tu es découvert comme je le fais de manière organique, c'est de l'inbound marketing. Les gens viennent vers toi, c'est pas toi qui vas chercher les gens, c'est vous qui venez. Soit tu tapes une requête, soit tu me découvres dans les suggestions, mais c'est pas moi qui vais te chercher. Indirectement, c'est moi, mais c'est toi qui cliques sur mes vidéos. L'outbound marketing, tu forces la main pour que les gens te découvrent. Et donc, forcément, quand tu forces la main, eh bien, les gens, tu vas attirer beaucoup de curieux, beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah, peut-être je vais voir » ou alors « C'est une erreur » et cliquent sans trop savoir. Et forcément, les gens se barrent au bout de 10 secondes de vidéo, 5 secondes. Bref, ils n'ont aucune patience parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils l'ont décidé, entre guillemets. Et il y a une seconde chose qui n'a pas du tout aidé, je pense, à soigner ce taux de rétention, qui l'a encore plus flingué, c'est le choix de la vidéo. En fait, son choix de vidéo n'est pas bon, selon moi, parce qu'elle a pris la décision de prendre une vidéo adaptée à la recherche YouTube et pas une vidéo qui peut être dans les suggestions de vidéos. Sauf qu'elle va être découverte, pour la plupart des cas, dans la suggestion ou les fonctionnalités de navigation des personnes qu'elle vise. Donc, en fait, elle ne propose pas la vidéo au bon moment. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais par exemple, moi, j'ai regardé sa vidéo. Sa vidéo peut m'intéresser, moi également, je suis la cible, mais quand j'ai décidé de regarder la vidéo, donc quand je tape une requête dans la barre de recherche et que je tombe sur sa vidéo. Mais au-delà de ça, si je ne tape pas la requête, je n'ai pas envie de regarder sa vidéo. Et donc, même si elle est tombée sur des personnes qui étaient l'audience cible, ils sont arrivés sur la vidéo, ils ont fait les curieux parce qu'ils ont dû se dire « Ah bah tiens, ça colle un petit peu à ce que je recherche en ce moment, mais je n'ai pas envie de regarder la vidéo maintenant, j'irai la regarder plus tard. » Donc forcément, ils vont faire les curieux, ils regardent 5 minutes et ils se barrent. Alors que ça aurait été une vidéo plus divertissante, on va dire éducative divertissement, tu vois, un peu à la poisson fécond, ça aurait mieux marché. Mais attention, je ne dis pas que le taux de rétention se serait envolé, il aurait peut-être été un peu moins cassé, on va dire, un peu moins réduit, mais il aurait quand même un petit peu chuté, c'est sûr et certain. Et donc, à la fin de sa vidéo, elle parle également du gain d'abonnés parce qu'elle sait que ça peut parler, enfin, ça peut plaire à beaucoup de monde aussi, ce côté-là. Et elle a raison, c'est vrai. Et pour plus de 1000 vues, elle a gagné 6 abonnés. Donc, honnêtement, c'est pas vraiment fou. Faut pas se le cacher, c'est pas quelque chose de dingue. Donc, tout ça confirme bien mes dires. Voilà, mes dires que je pense depuis très longtemps, c'est que appliquer cette stratégie, vouloir avoir un raccourci pour être mis en avant, ça ne marche pas. C'est contre-productif, tu perds ta thune. Et limite, tu vas tuer ta chaîne. Donc, vraiment, si tu veux être mis en avant par YouTube, fais-le de manière organique et essaye de plaire à l'algo YouTube. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, je t'ai parlé d'une stratégie appliquée par l'un de mes abonnés, donc organique et donc complètement gratuite, que je t'explique du coup dans cette vidéo. Donc vraiment, je t'invite à aller la voir si tu veux économiser de l'argent, mais quand même promouvoir tes vidéos et ta chaîne.